Capitaine Clément Ader de l'Aéropostale, ligne sud, Argentine-Chili. Je vous présente Manolo Sanchez, mon fidèle mécano. Nous sommes ici pour délivrer votre courrier. Grâce au phénix, qui ne cesse de descendre, qui renaît de ses cendres, fidèle destrier, capacité technique, le fleuron de l'aéronautique française. La musique est un passe-temps. Non, notre véritable métier, c'est de vous délivrer votre courrier, puisque le courrier n'attend pas. Que c'est ça qui est le plus important pour nous. Toulouse, l'Aéropostale, l'autre manière de prendre les airs. Toulouse qui a connu le berceau de l'Aéropostale. Et puis, ben, nous allons partout sur la planète. Hein. Nous étions en Inde il y a quelques jours, à survoler le toit du monde. Bientôt les Andes, Toulouse, demain, je ne sais pas, Vierzon. Ballan-Miré. En Touraine. L'éternité est bleue comme le ciel, et je vole, et je lâche tout dans cette infinitude étoilée. Bravo! Ah, je crois que là, comme ça, tous les jours, et tout ira bien, en fait. Bah, moi, je suis mécano. Ouais, enfin, mécano. Mécaniste. Voilà, mécaniste. Accordéoniste. Et lui, violonaste. Voilà, tout à fait. Nous sommes tous les deux chanteurs, nous délivrons des poésies, des chansons, des petits mots d'amour, puis on fait écrire les gens. On les incite à écrire, en fait, à l'ère du numérique, prendre le stylo, reprendre la plume, et puis on leur donne des cartes postales, on leur fait des cadeaux. Voilà, puis on leur demande, en échange, de répondre à la lettre qu'ils ont reçue, et donc de faire circuler comme ça la poésie universelle qui ne sert à rien sinon d'exister. Ouais. Voilà. Colporter les bons mots des gens, les petites ouvertures, les grandes ouvertures, parfois. Les recettes de cuisine, les recettes lettres de divorce. Voilà, les lettres de rupture réussies, les considérations sur le monde comme il est, comme il va. Un coup de gueule. Un petit peu tout ça. Et puis alors, bien sûr, quand les gens se retrouvent face à une feuille blanche, là, en l'occurrence, sont des cartes postales, parfois, il manque un peu d'inspiration, donc un petit coup de musique, hop, on passe un petit message comme ça, et puis... Le temps qu'ils écrivent. Le temps qu'ils écrivent. On invite aussi, d'ailleurs, les gens à un grand bal tango que nous organisons en plein milieu de nulle part, qui prend parfois, ou qui prend moins parfois, la peur de danser, de s'exposer comme ça dans la rue, puisque c'est un spectacle plutôt... De rue. De terrain. De terrain, tout à fait. On a toujours fait ça, en fait. On écrit tous les deux, déjà. On fait partie d'un groupe de chansons où on écrivait nous-mêmes nos chansons, donc il y a ce désir aussi de dire des choses. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, dans ce métier-là, c'est quand même toujours un échange. Donc aller pousser l'échange jusqu'à faire participer les gens un maximum, c'est aussi le but de l'aventure, quoi. Et puis moi j'ai entendu une jolie phrase qui dit « Être poète, est poète celui qui rend poète ». Alors comme c'est très très, comment dire, c'est presque impossible de s'autoproclamer poète, d'ailleurs c'est un grand poète qui a dit ça, on ne peut pas s'autoproclamer ni saint ni poète, c'est une manière aussi de faire, de rendre le public co-créateur de ce qui se passe. Parce qu'on les emmène d'un seul coup dans un petit univers pseudo-argentin, ou pas du tout d'ailleurs, mais on les emmène avec un visuel qui est fort, un peu de musique, et puis aussi leur propre sensation de ce qui est en train de se passer. Et on a vraiment des pépites qui sont là. Des pépites, on a beaucoup de carpe diem, par exemple, ça c'est rigolo. Alors, profitez de l'instant présent, etc. Quelques messages d'amour, quelques pensées philosophiques profondes, voire métaphysiques. Le mystère, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est ce que l'on n'a jamais fini de comprendre. Marthe Robin, par exemple. Où la réalité dépend de comment vous la voyez. Après, on a des dessins d'enfants, on a eu des très beaux ronds hier. Des ronds, des fleurs, des avions, bien sûr, des moutons aussi. Voilà. Et puis, ce désir, il vient tout simplement la problématique de l'envol humain, c'est quand même un truc qui, personnellement, m'obsède.
Donc pourquoi pas la magnifier avec ce que je sais un petit peu faire, c'est ce que Pierre sait faire, un peu de musique, qui est aussi quelque chose de très aérien et qui emmène les gens, alors qu'on reste bien ancré sur le plancher. Je suis aviateur du sol, quoi. Voilà, tout à fait. En bon terrien, mécanicien, et puis voilà. Mais lui, c'est son rêve à lui, donc je l'ai rejoint là-dessus parce que c'est mon copain. Voilà, comme on est copains, comme ça, on est deux, c'est dans pratique. L'aventure. Moi, je pilote, et puis je suis content avec ça. Il saute aussi en chute libre. Oui, tout à fait. Je dois être le seul violoniste qui a fait du violon en chute libre. Sur YouTube, on tape Go, plus le nom de notre ancien groupe, les Becs Bien Zen. Et là, il y a un clip un peu rigolo, rock'n'roll, où je suis sorti d'un avion à 4000 mètres et j'ai joué en chute libre. Voilà. Donc, c'est une obsession, là, le vol humain, jusqu'à tomber. Voilà. Donc, puis autant faire les choses jolies. Et il y a plein de talents, il y a plein de gens qui ont travaillé sur cette machine. Il y a un lettreur, par exemple. Hein, je ne sais pas si on voit, mais voilà, il y a un lettreur, il y a un ami qui est soudeur, qui m'a fait les parties que je ne sais pas faire. J'ai trop peur pour mes petits doigts. Et puis voilà, le reste, ben. C'est du rêve. C'est du rêve. Donc, on rappelle d'ailleurs aux gens qu'ils ont des rêves et que le but de la vie, enfin, c'est un des buts, hein, pas de. Que voilà, il faut rappeler aux gens en ce moment, je trouve que c'est important, on trouve que c'est important, il faut rappeler aux gens qu'ils ont des rêves. Et moi, je leur dis, je suis assis dessus. Très bien, j'ai toujours rêvé d'être pilote, pilote de pacatille, certes, mais pilote. Et d'ailleurs, tout bon pilote fait du rasmote, et nous, on fait du rasmo. Bonjour madame, mes hommages, capitaine Clément Adair. Un petit message pour vous en passant. Tenez. Allez, madame. L'essentiel est invisible pour les yeux. Eh bien, la consigne, j'ai madame. J'ai eu plusieurs fois, mais enfin, c'est normal, on est à Toulouse en même temps. Ouais. Hein, petit descriptif du fleuron, je disais, de l'aéronautique française, le phénix, qui ne cesse de descendre, etc. Donc, hop là. Alors, la commande, elle s'effectue par ce petit joystick de 1908. Hein. Et puis, ben voilà, tout le confort à bord. Donc, commençons par l'altimètre, l'horizon artificiel, la bille, ça, je ne sais pas trop. Ici, le contact pour le son, hein, puisqu'on a besoin de chanter, d'être un peu amplifié. Ici, les lumières. Alors, bien sûr, les lumières, je vais les allumer, on ne va rien voir. Hop, c'est fait. Regardez. Hop, lumière sur les personnages, lumière sur la machine qui est quand même... Voilà, ici il y a un contacteur pour la sono générale. Alors la sono générale, ça n'intéresse personne, et c'est bien pour ça que je vais le dire, c'est que c'est branché sur plein de batteries. C'est un engin qui est plein d'énergie, tout comme Manolo et moi. Et puis ici, alors ça c'est très 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 important, ici il y a un déclencheur dangereux. Un déclencheur qui fait que, en appuyant sur ces trois petits boutons, je libère une énergie puissante qui sort de sous l'avion. Là, on voit une petite plaque jaune et noire, hein, sous l'avion, je ne sais pas si tu vois, là, par ici. Alors, sous cet habile dispositif, il y a trois boîtes de conserve dans lesquelles sont logés des fumigènes prêtes à exploser et à nous propulser à une vitesse qui nous permettra de passer entre les montagnes, notamment dans les Andes, puisqu'on ne peut pas passer au-dessus. La machine, comme vous pouvez le constater, ne peut pas passer au-dessus des Andes, donc elle passe entre les Andes. Quand on est un petit peu en retard, ça peut arriver si Manolo reste à boire un café. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a encore ici un klaxon. C'est pratique s'il y a un camion ou quelque chose comme ça. Excuse-moi, ça va, ça n'a pas clippé. Et puis une boîte. Alors une boîte amovible, c'est très important. La boîte amovible, c'est la boîte dans laquelle on récupère donc tous les mots que les gens nous écrivent, hein, qu'ils peuvent mettre là-dedans. On peut ouvrir ici. Avec une clé, voilà. En cas d'atterrissage forcé, parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, on s'est posé en haut d'une montagne. Pendant 3 jours, Manolo a vidé l'avion, à tout, parce que c'était une véritable salade de bière. On a eu un petit taxi. Donc on a une petite bâche, hein, de quoi dormir, un petit duvet, deux, trois brosses à dents. Et puis, voilà, tout ça. Ici, il y a donc le logement de l'archet, c'est très important, l'archet pour le violon. Une échelle hein, pour monter dans l'avion. Donc, petit description. Alors, c'est très important, c'est pied gauche d'abord. Hein. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, et hop, pied droit. Voilà, je vais prendre place. Manolo, s'il vous plaît, Scabo.
parce que c'est Manolo qui s'occupe d'enlever l'escabeau. Merci. On replace l'escabeau comme ça. Installation. Bon contact, moteur. Hop. Et puis, ben, à bientôt. Hein, on se retrouve à bientôt. Va par là. Boum, boum, boum. Tong.